fait une heure qu'il est là, en fait. Il est derrière la vitre du restaurant, il n'ose pas entrer. Oh, je l'aime. Il est derrière cette vitre. Il passe de gauche à droite, de droite à gauche. Ah, il fait froid dehors, de plus en plus froid. Il neige de plus en plus fort. Et les trottoirs commencent à geler, c'est glissant par terre. Alors, quelquefois, il passe lentement. Il fait le retour très vite. Il a l'air parfois si triste. Et quelquefois plein d'espoir, si heureux. Triste, heureux, triste, heureux, triste. À un moment donné, il est obligé de s'approcher tout près de la vitre pour m'apercevoir à travers la buée. Oh, il a tellement envie d'entrer qu'il en bave d'envie. À un moment donné, il décide d'aller jusqu'à la porte. Il pose la main sur la poignée, mais la poignée lui brûle les doigts. Et tout à coup, j'esquisse le geste de me lever. Par exemple, pour aller haut. Il se dit, oh, elle s'en va, il faut que je fasse quelque chose. Alors il se concentre, il saute par-dessus sa timidité. Il prend son courage à deux mains, il compte jusqu'à 10. Il pousse la porte et il entre, avec à la main un magnifique bouquet de tulipes jaunes. Et tout à coup, il m'aperçoit. Alors il pousse un immense soupir de soulagement. Et il s'avance, il traverse, il slalome entre les tables, jusqu'à moi, jusqu'à un mètre de moi, pas un centimètre de plus, pas un centimètre de moi. Et là, il fait le dernier mètre sur la pointe des pieds pour me faire une surprise. Oh, je sens son odeur. Il prend les fleurs dans ses bras comme on porterait un enfant nouveau-né. Il se penche dans mon cou. Je sens son souffle chaud sur ma nuque. Et il me murmure, tu vas pas me croire. Je viens d'avoir le choc de ma vie. En te voyant comme ça de dos, j'ai compris que je pourrais plus jamais vivre sans toi, quoi. Tu vas pas me croire, je viens d'avoir le choc de ma vie. En sortant du parking, tout y a un type qui m'est rentré dans le parking. En partant d'un truc. Ah!